fait récupérer par Kenny Moulet. Allez, pourquoi pas la tentative de contre-attaque. Simpara, côté gauche. Il a du soutien, il a Bamba, il a Diallo dans la surface. Simpara, allez, il faut faire un choix. Ce sera pour Tertero. Elle va venir comme elle vient. Tertero, ah, il l'a prise comme elle venait. Hein. Attention avec ce ballon pour Kané et cette première frappe. Il semble avoir été contré, c'est en tout cas ce qu'indique monsieur l'arbitre. Simpara avec Bertrand Fourier. Bertrand Fourier, le ballon, elle est bon pour Issa Kabamba. La tête et le but ! L'ouverture du score, quel ballon de Bertrand Fourier. Il était tout seul, Issa Kabamba. Et le but pour le numéro 15 toulonnais, ça fait 1-0 pour le Sporting Club de Toulon. Pour envoyer ce ballon au fond des filets, ça fait 1-0. Et le ballon qui est récupéré par les Toulonnais, Bamba. Bamba qui va profiter de l'appel de Romdani, va le servir, le centre de Romdani, la tête de Diallo peut-être. Et derrière, Issa Kabamba qui surgit. Pas de faute, hein. Signalé sur Simpara, il ne le comprenait pas, Zoumana Simpara, mais le bon pressing de Diallo. Allez, Issa Kabamba qui s'est mis en position de frappe. Et il a failli s'offrir un doublé. Issa Kabamba un peu trop placé cette frappe. Frappé par Oudou, directement sur Johan Cardinal qui boxe des deux points et on va le jouer ce corner. Aurélien Tertero, c'est la mi-temps. C'est la mi-temps, les Toulonnais mènent 1-0 grâce à Issa Kabamba. Ils sont virtuellement sauvés en National 2. Et c'est reparti dans cette seconde période. Allez, va chercher à l'opposé Fourier. Quelle passe d'Aurélien Tertero. Malheureusement, Fourier oublie un petit peu le ballon sur son contrôle. Quel ballon d'Aurélien Tertero. Et le bon centre derrière, la tête, il a tenté de la rabattre, Abdoulaye Diallo, et ça n'a pas été assez smatché. Et Diallo qui se bat, ah, il y aura une petite faute, non pas de faute, pas de faute pour Diallo. Allez, le face-à-face, Abdoulaye Diallo, il va se remettre sur son pied droit, il va la donner à Simpara. Est-ce qu'il a été accroché, Zoumana Simpara? Non. Et Kenny Moulet au pressing. Et Simpara qui tente d'intercepter ce ballon, mais c'est maintenu par les joueurs de Canet. La frappe derrière, oh le but! Oh quel but, l'égalisation de Canet sur une frappe venue d'ailleurs de la part du joueur canetois. Ah, Canet qui pour l'instant n'avait pas été dangereux hein, réellement dans le jeu, mais alors là, cette frappe venue d'ailleurs, littéralement. Allez, il faut marquer là, il faut marquer pour les Toulonnais pour se remettre à l'abri. Nassim El Ghoul s'est frappé dans la surface. Est-ce que Tertero va pouvoir la reprendre? Sa frappe qui va passer largement au-dessus. Romdani, allez, qui va tenter de déborder. Imran Romdani, il faut lui amener du soutien. Il va avoir Bertrand Fourier qui peut se mettre face au but. Bertrand Fourier, le bon ballon. Là, ballon qui va passer juste à côté pour Diallo. La tête. Avec, pourquoi pas Bertrand Fourier. Allez Fourier, le but du maintien peut-être. Et l'arrêt du gardien. Oh le coup dur avec cet arrêt exceptionnel. Pour une possible contre-attaque, il faut le frapper, il faut bien le frapper. La tête. Oh, il s'est sorti par le gardien. Oh, quel arrêt. Allez Nassim, il faut tenter quelque chose. La frappe peut-être, le centre, c'est dévié, ça va passer juste à côté. Pour la sortie de but, les occasions qui s'enchaînent, mais pour l'instant, pas de but. Tenter de trouver Diallo sur les seconds ballons. Il est là, Farah Gomis, il ne faut pas l'oublier le ballon. Gomis, le long ballon pour Fourier qui tente de remettre. Zoumana Simpara ! Le but du maintien ! Le but du maintien pour Toulon ! Au bout du bout du bout du bout ! Le but ! De Zoumana Simpara ! Quel but ! Et quel symbole que ce soit lui ! Zoumana Simpara, le héros ! Le héros Zoumana Simpara ! Et regardez le geste, il est dans les bras de Teddy Bertin ! Incroyable ! Et bon rencontre qui exulte, qui explose au bout du temps additionnel ! Zoumana Simpara qui offre peut-être la victoire aux Toulonnais !
Alors on a perdu un peu de temps, on va devoir jouer encore quelques minutes, mais qui aurait pu prédire ça? Allez, il faut rester concentré, c'est pas fini. C'est pas fini. Et la touche sera toulonnaise. Et c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Le Sporting arrache son maintien. Les Toulonnais évolueront en National de l'an prochain. Teddy Bertin a réussi son pari, son immense pari, venu pour cette match. Il a maintenu le club en National 2 au prix de 4 victoires d'affilée.